Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission Grace Founder présentée par moi-même. Comme chaque semaine, on reçoit un invité. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sir Samuel. Frérot, comment tu vas Ça va au calme, Grace. Va, merci de m'accueillir. C'est moi, ça fait plaisir. Ouais, c'est grave. Comment tu vas, frérot bah, Ça va, hein, tout va ouais. bien. Hein. T'as une période de calme et là, tu, tu reprends, tu reviens direct. Bah, c'est toujours ça. Hein. Tu vois, nous, on n'est pas… Ça fait quoi Depuis 2006, le Sayan, il, il a splitté. Mm -hmm. Donc, euh, bah, je suis redevenu… Euh, euh, comment te dire Un rookie. Un rookie, hein. <laughs> ouais. Et t'as vu, maintenant, le monde de la musique, il a changé, donc il faut s'adapter et tout. Donc à chaque fois, bah, je suis en pleine mise à jour, mais... Je suis toujours en studio, je suis toujours actif. quoi. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le début de ta, de ta carrière Comment tu es rentré dans le rap, dans le hip-hop Bah moi, c'est très simple en fait, euh, j'étais à l'internat, à Bagneux. Donc euh, au foyer des PTT, pour ne pour, pour pour pas le nommer. Et là-bas, il y avait euh, Specta, il y avait Leroy, il y avait Gaiver. D'accord. Guyver, Eichmann. Euh, des Ulysses. Ouais, des Ulysses, ouais, Beatmaker. Et euh, tous ces gens-là, ben, ils étaient dans, la même, dans le même internat que moi. Il y avait une radio euh, du campus qui diffusait euh, toutes les nouveautés hip-hop et tout. Et il y avait aussi un préau où tu pouvais danser. D'accord. Donc, euh, on a baigné dans l'univers euh, hip-hop très très jeune, quoi, à partir de, de 11-12 piges, tu vois. Donc, euh, c'est là où les premières connexions avec l'écriture, avec euh, le goût pour euh, le rap, c'est fait. Moi, en parallèle, je faisais euh, de la musique euh, classique, donc de la guitare classique et euh, du solfège qui va avec. Quoi. Et euh, bah, après, euh, après le lycée, bah, tout le monde est allé, euh, faire son activité, sa vie, mener sa vie et tout. Et euh, par hasard j'ai rencontré Leroy en 97, je crois, par hasard. J'ai revu Leroy, il m'a dit ouais, je vais sur une scène, euh, fête de la musique, c'était le jour de la fête de la musique. Et donc il m'a embarqué. Et ensuite il m'a dit ouais, là en ce moment j'enregistre à Stalingrad et tout. Euh, j'ai mes premières maquettes enregistrées, tout ça. Moi j'avais jamais enregistré. D'accord. Il m'a fait écouter, je dis waouh, c'est un quinri de ouf, Leroy. Alors, ai dit, ah ouais, lui c'est mixé, c'est tout. Moi j'en étais là avec du bricolage encore, tu vois. Donc, il m'a emmené dans ce studio et dans ce studio, il y avait Fun, DJ Fun. Et DJ Fun, il faisait une compilation où il y avait euh, euh, différents books de, de l'Île-de-France, tu vois. Donc, il y avait Ofix, donc Fefe, euh, Vislo -vis et KLR, euh, le défunt KLR. Et euh, nous, il y avait de, de, du côté du Sud, quoi, de l'internat, quoi, Verbaniu, etc. Il y avait Specta, Leroy. Et moi, comme j'étais euh, allé à l'internat, J'étais considéré aussi comme quelqu'un du Sud, mais je viens ouais. de Sarcelles, moi, à la base. Et donc, voilà, le premier pas dans le Sayan en 99. Et euh, ça y est, c'est parti. Euh, on enregistre le ventre vide, avec fun. On attend les heures, euh, que les heures des clients passent. Ça veut dire qu'elles euh, s'arrêtent à minuit, donc euh, on, on enregistre à partir de minuit. Donc dès qu'il part, vous venez en scred, il vous rentrez. En scred, fun, il vient, il nous enregistre et tout. Franchement, c'était un soldat quand même. Ouais. Parce qu'il faisait sa journée de, de clientèle. Ouais. Et ensuite, euh, il vous prenait. Ouais, il nous prenait euh, mais pas gratuitement parce qu'il était investi, faisait ouais. beat, il faisait des beats, il mixait, il enregistrait. Et donc voilà, hein, après on, on a fait notre premier concert euh, au New Morning. Et il y avait des, des petites têtes euh, dans, dans la salle, type maison de disques et tout. Et donc voilà, tout a commencé là, il y avait Tréma et il y avait euh, Source 360. à l'époque, ils avaient Terry Moïse, euh, euh, Ragasonic. Ragasonic, ouais. Après c'était euh, devenu parlophone, un truc comme ça, je crois. Après ça a été, je crois ouais. que ça, ça a même été fondu dans IMI. Ouais, si, si, Avalé par IMI, mm. je crois. Donc voilà, euh, euh, l'aventure voilà, commence là, euh, avec le business, les négociation de contrats, etc. Bon, nous, on avait soif de concert, donc euh, très rapidement, après avoir négocié le contrat avec Source, donc, mm. ben on est parti euh, sur les routes. Pendant qu'on était en, con en concert euh, une semaine, par exemple, ben, l'autre semaine se, se, se programmait. Non, l'autre semaine de concert se programmait. Ça veut dire qu'on passait dans les villes. Et les villes rappelaient euh, aux alentours, puisque vous êtes dans le coin et tout, mmh. passé. Donc, franchement, notre première tournée, il y, y a eu des dates, euh, pas mal de dates comme ça, improvisées. Euh. C'est-à-dire que là, vous partez en tournée, vous n'avez même pas fait d'album encore euh, si, si, si. Ah, si, l'album est déjà sorti euh, Non on est, Oui, si, on a sorti le premier album. D'accord. En 99, ouais. Okay, ouais. 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 On, a, on a sorti le premier album, on part en tournée. Euh, mais on n'est pas attendu, quoi. Mmh. On, est en, on est en train de conquérir un peu, entre guillemets. Okay. Donc, euh, notre devise, c'est. Euh, on va frapper à chaque porte, quoi. Qu'il y ait deux ou 20 deux 000 personnes, ben, le concert c'est le même. C'est pas notre problème, c est, c est ah ouais. <laughs> on va tout droit. C'était ça le, le, le leitmotiv. Et voilà, on est parti pour. Euh, au début, on est parti pour un mois, puis pour six mois, puis pour neuf mois de tournée. Et puis quand on revient au bout de, de neuf mois de tournée, ben ça y est, Angela, euh, les gens ils ont pris goût. <laughs> euh, c'est un truc de dingue. Euh, on est numéro un. Euh, au Hit Machine pendant des semaines, des, 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 tout l'été. Donc, ouais, la démesure folle, on est reçu euh, au Energy Music Award, on a fait les victoires de la musique. Donc là, c'est l'emballement, la grosse boule de neige, quoi. Et puis, c'était les grandes heures aussi des maisons de disques où il n'y avait pas le téléchargement qui faisait de l'ombre. Donc, c'était du réel Ouais, donc c'était du réel, c'était du concret. Autant euh, en vente de disques et autant euh, comment tu remplissais les salles, quoi. Mmh. C'était du concret. Mais comment vous faites, comment vous vivez le fait de passer à un premier projet et tout l'emballement qui a autour de Angela qui vous fait devenir des stars, en vrai mmh. Ben, je sais pas pour faire, pour, pour, pour résumer ça, je vais je vais te dire une anecdote. Par exemple, aux Victoires de la musique, nous on voulait pas être réduit qu'à un seul titre. Ah ouais. Qu'à Angela, genre, ça un de c'est un groupe de zouk et tout. Mm. Même si on n'a rien contre le zouk, tu vois, mais on ne voulait pas être catalogué. Et donc, on était. Euh, ça ne se voyait pas sur les écrans ou euh, via la presse, mais on était quand même en perpétuel combat pour imposer le fait qu'on soit un groupe de, de, rap. de rap et tout. Donc, ça veut dire que euh, deux anecdotes, euh, pour faire le Hit Machine, par exemple, ils voulaient qu'on vienne chanter Angela. On a refusé, euh, je sais pas, euh, des semaines entières, quoi. On a refusé, pardon. Donc, euh, au Hit Machine notamment, euh, on, on était parti pour chanter Angela. Ils nous ont demandé, ils nous ont demandé, ils nous ont demandé. On a toujours refusé, tu vois. Et après, on a imposé, on a dit si on chante la preuve par trois, on chante Angela. Ouais. Donc là, au bout de, je sais, mais franchement, plusieurs semaines, hein, on est arrivé vraiment à la fin, avant qu'on quitte le, le, le Hit, le, tu vois. Le top, ouais. Le top, exactement. Bon, on, a, on est venu, on a chanté la preuve par trois. Ensuite, aux victoires de la musique, euh, pareil, Angela, euh, il fallait qu'on chante Angela. Donc on est parti sur Angela. Mais nous on avait ramené des gyrophares avec des piles et tout, on a fait police. Ouais. <laughs> donc ils n'étaient pas prêts. Mm. Parce que tu sais, euh, en télé, euh, tu dois répéter les caméras et mm. tout, les mouvements de caméra par rapport aux morceaux, tout ah. ça. Donc les répétitions, ce n'est pas que pour les artistes, c'est aussi pour les techniciens. Mm. Donc là, on a pris de court tout le monde, euh, encore une fois. Et donc on était sur des petits... des petits combats comme ça pour... Euh, bah, pour faire découvrir tout notre univers et pas réduire euh, comme ils aiment faire en France les étiquettes, tu vois, ah, je connais. En fait, Angela, ça vous a donné, euh, ça vous a ouvert les grandes portes, mais mmh. j'ai l'impression que vous avez balancé euh, justement la preuve par 3 pour prouver que vous n'êtes pas que des chanteurs de zouk de comme tu as dit quoi. Ben, ouais, en fait, ça fait partie de notre culture. t'as vu, nous, euh, dans les, dans les, même encore aujourd'hui, tu vois, les petits jeunes de 17, 19 ans, ils écoutent du compas, du goyade. Tu vois, on n'est pas, mmh. euh, on est pas genre au courant de ça, mais les musiques populaires, ça reste les musiques populaires. Exact. Les musiques où tu sers des meufs, ça reste des musiques où tu sers des meufs. Tu peux pas mmh. les créer, tu vois. Donc du coup, euh, bah, nous, on n'a on fait que développer ce qu'on avait cultivé euh, pendant notre enfance, tu vois. Ouais. Les parents, ils nous ont fait écouter du jazz, du compas, euh, de la salsa, de la bossa. Euh, toute cette culture-là. Et la culture pop. On est des enfants du top 50, tu vois. Exactement, faut pas se ouais. ouais. leurrer. Donc du coup... Euh, bah nous, on exploitait tout sans, sans, sans nous, nous restreindre, en fait. Ah ouais. Ce qui nous plaisait, on a fait des morceaux de Bossa, on a fait 2 euh, minutes, on a fait euh, La Preuve par Trois, comme tu as dit, euh, X Raison, Reggae Hip Hop. Ouais. Donc voilà, on essayait de proposer tout ce qui nous plaisait, en fait. Ouais. Quand vous faites X, X, X Raison, euh, j'ai l'impression que cet album change de, de direction par rapport au premier. Ouais. Il est plus euh, vous êtes plus fait plaisir dessus, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est une autre approche parce que comme on était. Je ne te cache pas que techniquement, le premier, il est il est riche. Techniquement, ça veut dire on est, on est en studio. On avait fait que du studio. Ouais. On était euh, genre euh, au début de notre vie d'adulte. 18 19 ans, on n'avait que fait euh, du studio. On n'avait jamais fait de concert. Ouais. Donc je te dis qu'on a dégusté pour mettre en forme ce qu'on avait fait euh, sur le CD KLR. Sur scène, ouais, c'était compliqué, c'était comme c'était très technique et tout, c'était un peu la course. Et donc, après avoir fait toute cette tournée-là sur KLR, ben on avait un peu de bouteille au niveau ah. concert. Et donc, on avait une autre vision euh, du disque. Par exemple, sur X-Raison, c'est que des one-shot. C'est que des one-shot. A... Et les bacs, c'est les autres qui les font, comme sur scène. D'accord. Alors que contrairement sur le premier, c'est ouais. chacun fait ses bacs et tout. Donc là, il y a des bacs, des bacs généraux, comme sur scène. Il y a... Les, toute l'apprentissage la la, qu'on a fait sur KLR. Vous il met en 3 pratique 3. sur x raison. Sur x Ça, c'est au niveau euh, genre de la performance des, des artistes. Mmh. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a L'Heroï et FF qui se mettent à la prod. D'accord. Et donc, du coup, mmh. euh, ben, c'est eux qui, qui, qui réalisent mmh. la plupart des titres euh, sur X-Raison. Ah, ouais. Donc, ça, ça aussi, ça change. Ouais. Ça a été plus facile d'enregistrer X-Raison que KLR, par exemple euh, euh, Vous avez euh... déjà des automatismes qui étaient qui, qui en place Ouais, il y avait des automatismes et il euh, y avait surtout cette envie de plus euh, charger euh, le, le disque techniquement et puis après arriver sur scène et rencontrer les difficultés qu'on avait rencontrées. Donc c'était, euh, vas-y, maintenant tu poses en one-shot et tout. Il n'y a ouais. plus de, 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 de trop de jeux de pistes, etc. Aussi, il y en a, c'est nous qui, qui les effectuons entre nous. Ouais. Et c'est là aussi, bah, c'est le dernier vrai album de saint Josepaco où vous êtes plus ou moins tous au complet. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Ouais. Après, il y a Hold Up et spectacle est parti, ouais. ouais. Pourquoi vous avez hold up sans Specta Sans rentrer dans les détails, c'est qu'est-ce qui, qui a poussé la séparation bah, Specta, lui, euh... il avait une vision du groupe bien précise, en fait, et euh, bah, quand il a été déçu à plusieurs niveaux sans rentrer dans les sans détails, justement, ouais. bah, il a quitté le groupe tout simplement, quoi, euh, sans faire d'histoire, en fait, mm. avant qu'il y ait des histoires, ouais. et bon, quelque part, euh, c'est un, pré un prédicateur, tu vois <laughs> ce que ah je ouais. veux dire ah ouais. Donc en fait y... moi la vision que j'avais du Saint-Supakrou, c'était euh, le Wuteng. C'est-à-dire ouais. qu'on est là ensemble, on chante ensemble. Après vous êtes partis chacun plus ou moins en solo. Après le, que les solos soient faits, on revient en tant que, en tant que, je, pensais que comme je pensais comme toi. Ah ouais. <laughs> C'est fou, mais je pensais ah ouais. comme toi frérot. Et euh, non, après, euh, tu as vu euh, quand tu fais les, les, les... Normalement, je pensais que chaque, chaque membre allait pouvoir s'exprimer en solo mm -hmm. ou en groupe. Et que le reste euh, allait apporter euh, sa pierre à l'édifice euh, selon son savoir et, ouais. et ses, son efficacité, tu vois, que ses mm. capacités plutôt. Ouais. Et au final, non, c'était très euh, concours d'ego, tu vois, pour les solos et tout. Donc, euh, bon, ça, 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 a produit de très bons disques, mais ça n'a pas l'huiler euh, la mécanique du, groupe, ouais. euh, du du crew, quoi, parce que c'était pas un groupe, c'était plus un crew, comme ouais. tu as dit, avec des entités et des groupes. Ouais. Et quand tu pars en solo, toi, pour ton premier projet, comment tu le vis comment ah, Je claque des genoux à mort. <laughs> je claque des genoux à mort parce que j'ai jamais eu autant écrit. Ouais. Euh, j'ai jamais eu autant euh, à dérouler les chansons. T'as vu, on était là, euh, à, tu fais un 8 mesures, t'as mis tous les styles. Ouais. T'as mis... Santiago, doudoune, euh, casquette, tout, tout. bonnet, t'as ouais. tous les styles dans 8 mesures. Là, c'est différent pour les chansons maintenant, elles sont articulées différemment. Donc ça, ça me faisait grave flipper, je me rappelle. Je me mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, raconter quoi ouais. Et comment, comment je vais articuler Donc, euh, comme avec KLR, on a appris, ben, j'ai appris, appris aussi. C'est-à-dire que c'est un autre débit d'air, c'est un euh, une autre gymnastique de chanter tout seul. Tu n'as pas d'appui, tu es tout seul. Donc, tu dois, fait, tu dois respirer, tu dois articuler tes chansons autrement. Puis, quand ta chanson elle est articulée, cette chanson-là, tu dois articuler parmi toutes les autres chansons. Donc, mmh. euh, c'est un autre exercice. Mais, euh, ouais, j'ai eu peur. Ouais. Visé plus haut » quand tu l'as sorti, euh, comment il a été perçu Franchement, il a bien été reçu, hein, l'album « Visé plus haut », il a eu un, un énorme succès, je trouve, quoi, pour, parce que pour un premier album solo, ouais. tu vois. Et euh, non, non, il a été bien... Après, moi, j'étais branché communautaire, tu vois, je ne veux pas te leurrer, j'ai mis mes, mes racines en avant, ah ouais. même si je suis né ici. Ben, c'est naturel, je les mmh. ai mises en avant, jusqu'à maintenant, je le fais. Et euh, peut-être que ça, euh, ça m'a un peu coupé euh, certaines, euh, certains médias. Même si on avait chanté Angela et qu'il y avait la connotation anti-Izouk ouais. et tout, bon, tu connais les programmateurs, c'est pas comme ça. Hein. <laughs> Donc j'ai eu quelques petites réticences par rapport au titre proposé, Black Haddy. On m'a dit oui, c'est un titre trop communautaire, euh, trop, il y a Black. Euh, ouais. Et je te dis, on m'a dit des trucs de fou, tu vois pas <laughs> Après, je dis non, c'était juste un jeu de mots par rapport au jeu d'enfant Black Il n'y a rien, il n'y a rien de communautaire, il n'y a rien de Black Panthers dans tout ça. Ouais. Donc voilà, mais pour la petite histoire, mais sinon, euh, au niveau du public, super bien reçu, grosse tournée, gros concert euh, dans les locaux de Virgin avec euh, un parterre de journalistes, d'artistes. Ouais. C'était lourd. Mais malgré ça, Blackadi, il, il avait bien tourné le, le il, single Le single, il avait bien tourné ah, en okay. télé, Il avait, mais notamment en radio, tu vois, il y avait eu quelques petits trucs, tu vois, mm -hmm. mais il, a, il avait quand même tourné, il n'y a rien à dire. Ah, ouais. Après, euh, on était satisfait. moi, depuis que je pars en tournée, tu vois. Bah, on a toujours cool. dit que un super Crew c'était le meilleur groupe de, euh, sur scène en France. Ouais, c'est ce qui, est ce qui dit, c'est, la légende qui. Ah, c'est une légende, c'est pas vrai. Si, mais bon, moi, je suis acteur. Ouais. Tu vu, c'est difficile d'être ouais. acteur et spectateur du, du, du délire, tu vois. Ouais. Après, je suis fier quand on me dit ça, tu vois. Euh, bien sûr, euh, j'en tire les honneurs, tu vois. Mais après, je sais pas, je ne pas, veux pas, pas épiloguer mille ans là-dessus. Alors... C'est vrai que on avait un travail sur scène euh, que personne ne faisait, mais la première chose. On faisait c'est se faire plaisir en vrai mm. avant d'être les plus forts, les plus performants sur scène. Avant, on était d'abord à se faire plaisir, c'était notre petite bulle en fait. Ouais. La scène. Après, es, c'est une mix -up que tu as sorti. C'était pas un album après euh, visé plus haut. Ouais, j'ai sorti adéquate. Voilà, c'est ça. Et pareil, comment le projet est perçu bah... Déjà, dé excuse-moi, je te coupe. Déjà, étrange parce que les plus, plus rap que, que le précédent projet. Ouais, ouais, c'est vrai parce que moi j'ai. Euh... Moi j'adore le rap, hein, tu vois. J'adore le rap. T'as le cul entre deux chaises en fait, tout le temps moi. <laughs> moi je suis reggae, hip hop, tu vois entre guillemets. Après en France euh, il faut classer les gens pour les bacs, pour les machins, les mmh. classements donc ils me mettent dans le dancehall. Mais bon moi mon amour pour le rap euh, il est indéfectible de ouf. Donc euh, dans, mes, dans mes disques ouais on trouve euh, la musique caribéenne, du rap et dancehall. Ouais. Et là tu reviens avec un nouveau titre. Et ouais. tu... Exactement. Qui colle 100% à l'actualité d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi, t'as eu un électrochoc, t'as dit non, faut, faut revenir à la base, si je peux me permettre. Ou euh, le rap, c'est un message. Bah ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est que bah, maintenant ça n'existe plus quasiment avec des, des gros messages forts et de la dénonciation pure, tu vois. Ça n'existe plus. Euh, Peut-être à cause des médias qui, qui, personne se mouille maintenant, tu fais un mmh. truc, euh, tu as le CSA, vite fait, et tout. Donc plus personne se mouille. Et puis les jeunes, ils sont pas trop là-dessus, ils sont plus sur l'argent, sur la forme, sur, euh, tu vois, euh, la fame et tout, que sur le fond. Donc je voulais revenir à, des, à, une, à un truc un peu à l'ancienne, tu vois, mmh. le thème fort. Et euh, je voulais aussi surprendre en chantant sur un morceau, euh, entre guillemets, compas, tu vois ce que je veux dire Ouais parce qu'on n'est pas obligé d'avoir euh, des messages forts sur de la musique hardcore, hardcore donc, ouais. Moi j'étais plus euh, à faire ce contre-pied là. Et comment le morceau a été reçu Franchement, bah, les gens ils ont été surpris déjà de la, du format euh, compas. Et euh, ça les ambiance euh, à la première écoute, mais à la deuxième écoute, quand tu écoutes euh, le disque, euh, le, les paroles, pardon, tu... Il y a un décalage entre ce que comment tu es en train de kiffer le son et ce que tu es en train d'écouter. Mmh. Ben, c'est ce que je voulais. Parce que tu as vu dans les musiques anti le plus souvent, le message il est entre guillemets léger, tu vois. Et euh, donc je voulais faire le contre-pied par rapport à ça. Il était super bien reçu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le morceau, moi, j'aime bien. Mais ce que je trouve de moi, c'est que. Il a été bien reçu par le public. Il n'y a pas eu de relais réel euh, de certains gros médias. C'est vrai, c'est vrai. Bah, ben, ça, après. Euh... Dans le marasme de ce qui est proposé sur euh, sur euh, le net et tout, euh, c'est compliqué des fois de se faire voir dans l'océan du, du, du net, tu vois. Ah ouais. Donc là, on est encore euh, à travers les médias comme les tiens ou euh, d'autres, on est encore en, d'agrémenter de, 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 euh, le truc pour qu'il puisse passer dans nos grands médias et qu'il soit entendu. Ah. En fait, je, on puis, a... sans vouloir te couper, et puis euh, moi, c'était pas temps pour fonctionner au moment euh, où il, tout ça se passe en fait. Le but, c'est qu'un morceau il dure dans le temps, intemporel. Voilà, qu'on puisse l'écouter euh, qu plus tard et qu'il ne bouge pas en fait. Là. Toi, en tant que Sir Samuel qui a, fait, euh, qui a vendu des disques avec le Cyan Super Crew, même en solo, ça a bien marché. J'ai l'impression que là, c'est un re renouveau pour toi. Tu repars à zéro là en fait. Bah, je, re je repars pas vraiment à zéro parce qu'il y a toujours euh, une fan solide, tu vois, celle du Cyan. C'est l'ensuite que j'ai pu euh, amasser quand j'ai fait mes solos, tu vois. Donc, euh, non, on est, je suis. À chaque fois, il y a un accueil. Après, euh, le seuil euh, de tout péter, etc., euh, de, de passer à la télé et tout, moi, ce rêve-là, euh, je l'ai vécu, je l'ai eu. Mais moi, maintenant, euh, aller sur scène, ça me va très bien, tu vois. Ouais. Le délire euh, médiatique, le délire euh, super hype. Ah, c'est un c'est choix mais moi j'ai jamais trop 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 ça, fait, ça ah ouais. tu vois donc moi euh, maintenant ce que je fais c'est de la mise en scène pour les plus jeunes de la DA pour les artistes euh, qui le désirent et euh, bah et de la scène ouais. donc c'est ça mes objectifs ouais. après c'est pour ça que je suis pas déçu de ne pas être reçu dans les gros médias dans les d'avoir une exposition folle donc moi je peux assurer mes concerts mmh. Et euh, transmettre, comme je t'ai dit, euh, à travers euh, la, la mise en scène et la direction artistique. Ouais. sympa. Quand un artiste a tout connu, euh, tu parlais de transmission, est-ce que la reconversion est plus facile Ou bien tu es toujours dans le truc, où tu dis je suis un artiste, je, je suis obligé de continuer à faire de la musique hum, Déjà la reconversion, elle se fait sur du long terme. Pas du jour au lendemain, tu dis euh, je vais faire de la direction artistique ou je vais faire de la mise en scène. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je l'ai toujours euh, cultivé au sein du Saiyan, en solo, avec d'autres. Donc, moi, euh, la musique, c'est partage quand même, le, le ouais. principe du truc. Donc. Euh, peu importe le terrain, moi je suis toujours pour le partage. Peu importe que tu sois connu ou pas, beatmaker connu ou pas, si t'es talentueux, bah, je préfère chanter sur un truc qui me plaît que sur un truc euh, connu, ah ouais. tu vois. Donc, euh, je, moi je, je m'entends, souvent dire que je suis plus un artisan qu'un qu industriel. D'accord. Et comment ça se passe justement euh, quand tu t'aides avec la nouvelle génération, parce qu'ils ont pas forcément les mêmes valeurs que toi. Bien sûr. Cool. Bah, moi j'écoute. <laughs> Ouais. J'écoute ce qui se passe euh, actuellement, je reste euh, connecté à, à mon temps. Quoi. Ouais. Et ensuite, ben, toute mon expérience, ça me sert. Euh, par exemple, j'ai vu là, les jeunes maintenant, ils composent, euh, ils vont sur des, sur des, des plateformes, il y a déjà tous les samples, tous les trucs et tout. Bah, nous, on n'était pas dans ça, on allait chercher des samples en Norvège, en ceci, ouais. euh, au cours de nos voyages, tout en mmh. tournée. Et donc, euh, bah, je leur dis ouais, tout, c'est bien, tu produis bien, mais ça serait mieux que tu te fasses ta banque de caisse claires, ta banque de grosses caisses, que tu donc euh, mélanger les deux aussi, mmh. ça donne aussi du caractère euh, aux plus jeunes et tout. Donc, il ah. euh, y a moyen que moi, euh, je m'en sors en apprenant comment eux ils composent et, et que... eux, tu leur apprends aussi. Ouais, ouais. exactement. Et tu t'es jamais vu en tant que producteur mmh, Producteur, c'est mettre des sous. <laughs> ouais, c'est mettre moi, des je sous. Préfère <laughs> je préfère être à la création. Je préfère être à la création. Ouais. Mais, bon, non, même... mais parce que le délire euh, euh, entreprise, euh, gérée tout ça, c'est pas trop mon délire. D'accord. Moi, je suis plus euh, à la création, comme ouais. je t'ai dit. Euh, soit euh, à la musique, ou soit euh, à la photo, au graphisme. Ouais. Tout ce qui touche euh, à la création. D'accord. Et la musique, on parlait de ton côté un peu caribéen. Qu'est-ce que tu penses de, de l'évolution de la musique caribéenne bah, c'est bien, il y a même des non-caribéens <laughs> qui <rire> font de la musique caribéenne. <laughs> Attendez. Ah ouais, Damso, tout ça, ils mettent bien, ils ouais. zouk, ils ont le petit pas, tout va bien. Non, non, ça fait plaisir. Euh... C'est-à-dire que les sorts, eh, ça fait longtemps qu'on lutte. Hein. Franchement, euh, la musique euh, antillaise... Bon, après... Là, j après, j'ai vu, fait... vu, vu qu'il y avait des détracteurs, non, c'est pas du zouk. Le zouk, c'est tac-tac, et ils font du tac pit tac pit tac <laughs> des... nous, on danse, frère. Ouais. Donc, euh... nous, on danse, en fait. Mm. Et le morceau de Damso et, et d'ailleurs il est bien produit mm. et voilà c'est tout. Non, mais Alors, moi j'arrive ouais. à switcher ça ne pas ça m'a pas, pas blessé blessé quoi. Mm. Je me dis non tant mieux c'est l'essor du truc putain y a pas un morceau à qui peut bah, passer derrière C'est du zouk <laughs> c'est du zouk tout simplement. Ouais c'est du zouk hein. mais c'est de la musique populaire du zouk hein. En fait c'est des termes des noms qu'on met sur les trucs mais ça reste du zouk. Mais grecs tu te rappelles pas on tirait les rideaux <laughs> 60 degrés dans le gymnase je te dis. Canette en secrète <laughs> Canette en scred pour 6 <laughs> Ah ouais frère Non, bon, non. Tu vois, et c'était sur quoi qu'on dansait C'était pas sur Public Enemy, hein. Non, jamais. Euh, ouais, ce morceau-là il est dur et tout Même les mecs, et tout, ils écoutent en secrète Dans la voiture, oh. c'est doum, doum, da, vénère dans le casque Combien <laughs> voilà. Tu vois Donc non, euh, là, c'est bien, maintenant, elle devient assez popularisée et... Même Kalash, il a fait un album phénoménal, je trouve, tu vois. Le dernier, j'ai pas encore écouté. Bah, le dernier, je trouve que, tu vois, euh, ouais, il rend hommage euh, encore à, à, ses à, ses, à ses racines, à son, à sa culture, tu vois. Ouais. Bien qu'il en soit là où il en est et tout, ben, bah, je trouve que c'est une bonne démarche. Ouais. Angela a participé à ça. Tu dis? Angela, le titre, Angela ouais. a ouais. participé a à, ouais. à, à, à cette ouverture d'esprit euh, qui est aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, mais il y en a eu d'autres. Il y a euh, Oui, tu me manques, il y a eu Fanny D, il y a eu tout. Ouais, plein. mais je pas vraiment que le morceau, après. Super populaire, que ça a été que ça. Tous les week-ends, on m'envoie des vidéos, euh, je bah, suis en soirée, bah de ouais. tout. Même ouais, à l'heure d'aujourd'hui, tu, tu vas dans une soirée, il n'y a pas. Y a pas euh, y... On entend Angela. Non, je te dis, tous vois. les week-ends, je reçois des vidéos. Des fois, des gens, ils sont dans la même soirée, ils ne savent même pas, ils m'envoient mmh. des vidéos ou quand le son passe, quoi. Tous les week-ends. Et dans toute votre discographie, par exemple, le fait qu'on vous ressorte tout le temps qu'Angela, est-ce que c'est n'est -ce pas un peu blessant Non. Non, non, c'est une porte, euh, c'est une porte sur notre univers. En fait, tu rentres par Angela, euh, soit tu restes sur Angela ou soit tu vas fouiller et puis tu rentres dans un univers interminable, tu vois. Ouais. Donc euh, pour nous, c'est que bénéfice, même pour chacun d'entre nous. Normalement, ouais. normalement, euh, on doit, on doit... enfin moi, en tout cas, je suis fier. J'ai un morceau qui m'a marqué dans, dans Saint-Soupacrous C'est dans le dernier, c'est Hold Up, c'est Rouge Sang*. Oui. Tu peux me parler un peu de ce morceau bah, euh, Rouge sang, ouais, c'était un morceau qui nous tenait à cœur, parce qu'en France, euh, on vient tous euh, d'endroits différents. Ouais. D'ailleurs, il euh, n'y a qu'en France que c'est souligné, tu vois, cette question euh, des origines et tout. Mmh. Tu viens d'où mmh. Toi, tu viens d'où tu... Par exemple, tu vas en Suède, c'est mal perçu. Il y a un Renaud là-bas, tu lui dis, ouais, euh, toi, tu es de quelle origine Il va dire, mais moi, je suis suédois, frère. Mmh. Après, il dit, ouais, c'est vrai que j'ai des ancêtres. Or... Mais c'est pas une question genre euh, comme mmh. ici, où c'est fluide, ouais. t'es tu es t'es tunisien, marocain, rebeu chinois, arabe. Antillais, Guadeloupe... T'as vu, vu. d'ailleurs, en arrivant, tu m'as posé la question, t'as c'est euh, vraiment un truc, ici, euh, qu'on fait. Et euh, donc, excuse-moi, c'était quoi le début C'est quoi, On parlait de morceau « Rouge sang ». Ouais, donc « Rouge sang », c'était plus pour parler de... Bah, de... Moi, en tout cas, concernant mon couplet, c'était pour dénoncer un peu l'ignorance, entre guillemets, euh, qui est des Antilles par rapport à ses origines, tu vois. Euh, je sais que j'avais... Quand j'étais petit, j'avais beaucoup entendu « Ouais, moi, je suis pas africain ». Donc, il y a aussi un petit bout dans la preuve pour trois. Dans... Donc, il y, y a ce, ce racisme aussi euh, anti-Haïti, anti-Afrique, Afrique anti. Donc, je voulais dénoncer ce, ce, ce truc-là dans Rouge 100. Quelle est la couleur de ta terre natale C'était ça l'enfant. Ouais. Rouge 100. Parce que nous, on avait été à et tout ça. Donc, on avait eu aussi euh, ce, ce, ce petit voyage qu'on avait fait avec le Sayan. Mm. Et eh ben euh, moi, les chansons, je vis des trucs et puis les chansons, elles viennent hein, six mois, un an après par rapport à, Alors, à ce que j'ai vécu. Tu vois, le temps ouais. de les digérer, de me, de me renseigner un peu. Et puis voilà, c'est parti. J'ai vu aussi, après, on va quand même revenir un peu sur ta carrière là, puisque tu développes ta carrière aujourd'hui, bah, bientôt. Bien sûr. Et qu'il y a des projets qui doivent arriver. Ouais, ça arrive quand bah, <laughs> Là, on est, on est en mode, on balance Headshot, on balance encore quelques titres en, en solo. Et puis euh, bah justement pour euh, refaire prendre euh, goût à ma musique euh, et euh, au delà de mes fans, faire découvrir aux, aux, aux plus jeunes et à d'autres personnes euh, ce que je suis en train de faire. Donc là, l'album il est plus, enfin euh, l'album, le projet il est plus dirigé afro caribéen. D'accord. Donc il y aura des compas, gouillade, dancehall et afro beat. Donc voilà, je me suis essayé, et ça m'a plu. Tu parles d'album, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui Sortir un album de Sir Samuel, ça, ça revoit encore le coup, je t'explique. C'est pas mieux de faire comme tout le monde aujourd'hui, de balancer des singles, singles, singles. ce que je t'ai dit. Ouais. Après, on fera une compile de tous ces singles et tout. Si, si, bah, si, si toutefois, album. Si toutefois euh, le cap est passé, mais ouais, c'est ce qui est fait. Comme je t'ai dit, moi, euh, sortir des titres et aller les défendre sur scène, moi je suis resté dans un schéma euh, très basique, tu vois, studio. Euh, exposition et pour que ça ait des, des répercussions surtout sur la scène tu vois. Ouais. Après comme je t'ai dit moi le mode radio tout ça... ça enfin c'est plus ce qui dirige mes objectifs tu vois mmh. de passer en radio de, de conquérir avec la jeunesse etc. Je sais pas... Ouais. Tu des en adéquation avec toi-même ouais. ouais en fait tu, ça va quoi. Mmh. Puis ça n'a pas l'air de déplaire à la jeunesse non plus tu vois. Pas, je suis pas là à revendiquer oui. Euh... Du boom bap des années 90. <laughs> Alors que j'adore, hein. en <laughs> écoute encore, tu vois. Ouais. Mais bon, j'estime que tu es un acteur, tu vois, tu dois, tu dois rester quand même frais, tu vois. Comme j'aime bien l'album de D6 pour ça, tu vois. Ouais. En plus, la démarche, euh, bizarrement, je sais pas comment il a fait, mais j'entends que c'est fluide, sain, tu vois. C'est vraiment basé sur l'artistique, vraiment basé aussi sur euh, l'audace. Mais en France, j'ai l'impression. Ça, il n'y a plus trop ça. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'en en, en France, j'ai l'impression qu'on a. On se cache derrière des codes. Je viens du quartier, je peux faire que de la musique pour le quartier. Ouais, bizarrement. Et après, c'est eux qui ouvrent à fond, tu vois, mmh. sur un autre truc. Euh, par exemple, Luigi. Tu vois, Luigi, euh, là récemment, j'ai fait un concert euh, à La Place où il a, fait, euh, il a chanté, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle sa chanson, je suis désolé, Luigi. Mais en tout cas, les gens, ma gueule, ils chantaient à mort. Uh -huh. Alors que le format de la chanson, il n'est pas spécialement. Euh, radio. Euh... Ni radio, ni codifié euh, musique actuelle, entre guillemets. C'est ah ouais. est un format euh, de chanson. Et ce n'est pas un format de titre ou d'accessoires comme euh, beaucoup le font. Tu vois, mm. Après, moi, je ne critique, euh, critique pas directement. C'est Comme il y a une autre manière de consommer, il y a une autre manière de, de faire aussi. Et euh, c'est à nous de faire le pas euh, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Et euh, pour rester le plus actuel possible, tu vois. Après, euh, nous, on a notre expérience aussi, tu vois. Après, je, je te rejoins tout à fait. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi un truc de génération, c'est-à-dire que le rap, c'est générationnel, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a une autre génération, on a écouté euh, ce qu'on a écouté, et les petits d'aujourd'hui se retrouvent plus dans dans ce qui se fait aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que bah, c'est pour ça que moi, je me tourne plus vers les musiques populaire entre guillemets tu vois comme les musiques euh, caribéennes et tout c'est pas des, pas des musiques connotées comme le rap etc tu vois c'est pas des, des, des niches ouais. même si c'en est une à part entière mais c'est en termes de retentissement ben c'est plus, plus digeste entre guillemets tu vois que le rap le rap c'est toujours ça a toujours eu cet aspect euh, dérangeant Vois, et euh, moi j'aime bien lier les deux, l'aspect dérangeant qu'il y a dans le rap et l'aspect populaire qu'il peut avoir dans les musiques caribéennes. Et au niveau de la scène, ça se passe comment Bah il faut aller courir hein, frérot <rire> <rire> Tu veux que ça se passe comment bon, bref. Sinon t'es mort ouais. Et puis euh, en plus je fais du parti du science, le fameux groupe légendaire, si je <laughs> marche sur ma langue, frérot, c'est mort. Il ouais. y a des dates qui sont prévues, il y, y a des événements qui arrivent. Il y a des dates de prévues, il y a des dates euh, à l'étranger, en Suisse. Euh, là, le, le 20 mai, c'est la prochaine. Ouais. Euh, après, il y en a euh, cet été jusqu'au mois de septembre. Où euh, j'espérais faire à la rentrée euh, une date sur Paris. Donc là, est, on est en train de, de goupiller tout ça. J'avais vu aussi un moment où vous, avez, vous faisiez des scènes avec Specta et. Euh, vous n'avez pas fait des ouais. Très chaud. Ouais, ouais c'était bien. On a fait ça en 2016 et en 2019. Et pourquoi ne pas faire euh, comme les américains font pour les, les... Les événements pour fêter les albums, un truc où vous vous réunissez, sortir un album. On a essayé de faire un groupe WhatsApp. Euh, ouais. Trois ont on taillé au bout de quatre secondes. <laughs> Je ne sais pas comment ton projet peut se réaliser, frérot. <laughs> Dans un groupe WhatsApp, hein, ouais. Ça a taillé au bout de quatre secondes. On a dit coucou. <laughs> T'as vu quand ouais. ça taille là <rire> <Il> <rire> a marqué une phrase. A quitter le groupe. a quitté <laughs> Pam, pam, sec! Ouais. Même pas le temps de dégainer. Donc euh, imagine pour discuter de ça, frère. D'accord, ouais. Je crois qu'on n'aura pas assez de faire le tour de la Terre plusieurs fois. Hein. Donc là, c'est mon sœur Samuel qui, qui travaille sur, sur lui. Ouais, je travaille sur moi. Et puis, euh, comme je t'ai dit, hein, la transmission, moi je suis grave là-dessus, hein, tu vois. Euh, là, j'ai mis en scène plusieurs artistes. Euh, j'ai fait de la DA pendant le confinement. J'ai travaillé sur un, un, album, un artiste qui s'appelle Rodio. D'accord. Donc, ouais, non, c'est ça mon truc, moi. C'est rester en studio, euh, réunir beatmakers, artistes et voilà, faire du son. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu écris aussi pour d'autres personnes Ouais, ça m'arrive. Ah ouais. bah, pour le radio, j'ai écrit, j'ai top-liné, comme on dit. Mais bon, <laughs> moi, je top-line pas, ça fait des lus que je chante, donc c'est ah pas ouais. de la top-line, c'est. Voilà. Donc, oui, j ai, j ai, ça m'arrive de bosser comme ça avec, euh, avec d'autres Pour artistes. moi, euh, l'exercice de, d'écrire de, pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est quelque chose de super compliqué. Ouais, tu parce dis que c'est moi. J'ai on... l'impression que tu dois te mettre dans la place de, de, de l'artiste, imaginer comment l'artiste veut faire. Et par rapport à ça, tu grattes par. Ben moi, je, je pense que c'est plus la capacité à switcher entre auditeur et, euh, et acteur, tu ouais. vois. Genre, quand j'écoute un morceau, moi, j'écoute un morceau, j'écoute pas la caisse claire, le surlay, mm. tout ça, tu vois. Donc, c'est cette capacité-là à switcher, peut-être, qui permet d'écrire pour un autre, tu vois. D'accord. C'est genre, euh, tu, peux tu peux le projeter. C'est une histoire de projection. Donc, ça tu peux projeter euh, lui avec ses, son bagage, tel qu'il est, et euh, ce qu'il va écouter comme musique, comment il va parler, tout, tout un ensemble de, de paramètres que ouais. tu fais quand tu es au contact des personnes, tu vois. Et bien, ensuite, tu, projettes, euh, tu le projettes, lui. C'est cette. Euh, je pense que c'est ça qui fait que tu peux faire des propositions intéressantes et qui s'y retrouvent, tu vois. Ouais. Quand tu regardes euh, ce que tu as fait tout au long de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le Sir Samuel d'aujourd'hui, là, en 2022, dirait au Sir Samuel qui a, commencé, euh, qui a sorti son premier album en 2019 hum... Regarde bien les papiers, frérot. <laughs> frérot. Ouais. Apprends les papiers, frérot. Ouais. Apprends les papiers, apprends à m'étourner là-dedans. Il n'y a pas que le studio. Ouais, je me dirais ça, ouais. ouais. Je me dirais, ouais, euh, décortique les contrats, euh, côte à côte avec l'avocat, si possible. Pas parce que je me suis fait carotte, hein. Mm. Mais pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir miser et viser juste, bah, je pense ouais. que c'est ce, ce petit truc-là qui a pu me manquer, peut-être. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, comme on parlait d'Angela, ça, un, un morceau qui, jusqu'à aujourd'hui, génère des, 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 des sous. Bien sûr. Ouais. Surtout qu'Atik a pris le relais sale. Donc oui, il génère encore des sous, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr, ça c'est indéniable jusqu'à que ce soit en soirée, dans les pubs et toutes les reprises qui ont été faites mondialement. Et des... mmh. au Brésil. Euh... Oh. Ouais, donc non, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu que tu retiens de ta carrière, même si elle n'est pas finie, que ça continue, mais jusqu'à présent, quel est le truc dont tu es le plus fier bah, de pouvoir euh, le... poursuivre euh... la carrière. Bah, ma carrière, c'est ça. Le... Mmh. Le... Le... le plus dingue, c'est ça, quoi. Parce que je sais que voilà il y a beaucoup de personnes qui après le succès ils arrêtent ou quoi. Ben moi j'ai eu la chance, euh, ma bonne étoile a fait que j'ai pu continuer, j'ai pu continuer à signer jusqu'à maintenant encore je suis entouré. Euh, tu vois j'ai donc ça veut dire que quelque part euh, ce que je veux générer dans ma musique eh ben d'autres personnes ont envie de le partager et tout donc euh, tant qu'il y a cet engouement là ben, moi je serai là. Hein. Après je te dis euh, je ne suis pas euh, genre, avide, euh, de tournée, avide de tourner, euh, avide de caméra, avide de clips de fou, il faut que ça tourne à mort. Ouais. Non, moi je suis plus, euh, comme je t'ai dit, dans le, le concert pour me, me concernant moi, et puis euh, la transmission euh, pour les autres, quoi. D'accord. Pour rester bien dans le, dans le son, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux Alors, Parce réseaux... qu'aujourd'hui, tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors, <laughs> mes réseaux sociaux sur Insta, c'est... Euh, bah, Sœur Samuel WS. Et puis sur Facebook, c'est la même chose. J'ai que ces deux réseaux sociaux pour l'instant. Ah, tu fais pas de danse ah sur non, TikTok te... encore Ah, j'hésite. <laughs> ah, c'est dur. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Est-ce que j'ai la matière pour prétendre Ah, et tout, j'ai ouais. pas envie de... Tu vois Donc on, on fait les choses en son temps, frère. Moi, je, vu, je suis pas à l'affût euh, du ouais. bail, euh, genre... Euh, d'être hype, de ouf, tout ça. Mais pas ça pas se voit, j'ai l'impression que tu es vraiment en retrait de tout ça, c'est-à-dire que tu fais de la musique parce que c'est un kiff, mais euh, tout ce qui est à côté, c'est limite ouais. un peu, euh, si tu pouvais éviter ça, tu t'éviterais. Non, non, franchement, tu as tout le côté euh, réseaux sociaux, tout ça, bon, ça y est, j'ai pris le pli. Euh, après, euh, la fréquence, par exemple, euh, à laquelle euh, un artiste doit exister, des fois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu euh, du gavage, tu vois. Ouais. Bah. Donc, euh, je reste dans mes anciens codes à, à distiller petit à petit, tu vois. Et euh, c'est pas parce que t'es pas au devant de la scène que euh, tu vis pas de ta musique et que t'es pas en accord avec toi, tu vois. Bah, c'est surtout ça. Parce que franchement, j'ai déjà vu des gens se perdre dans les combats de oui, je veux rentrer en radio, il me faut tel producteur, lui qui écrit, euh, lui qui me fait danser, lui qui me clip. Waouh, ouais. wow, la facture, elle est énervée. Et pour prendre un... pas grand-chose. Alors que juste prendre du plaisir, des fois, ben, ça a mort au bout, tu vois. Ah. Donc moi, je suis pour cette technique-là, je pense. D'accord. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Grace, franchement, t'es un bon. <laughs> tu fais ça. respect à toi, mon ref. Oh, non, on en ressort. Et il euh, n'y bah, a pas beaucoup de fenêtres hein, pour les artistes euh, comme ça. C'est dur. Et toi, tu crées pas une fenêtre, mais une baie vitrée, donc franchement, merci beaucoup. Et euh, bon, bah voilà, hein, comme je t'ai dit, euh, toujours dans le son. Euh, bah, J'espère que tu me réinviteras pour d'autres titres. À bien chaque sûr. titre. Parce que toi, tu veux pas défendre des albums, donc ça veut dire à chaque titre. <laughs> non, tu viens. Moi, tu as vu, Headshot, moi, je supporte. Il est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes. Il faut aller télécharger, le streamer il faut donner de la force. Oui, stream, stream. Et stream. Euh, non, le morceau, il est bien. À partir du moment où tu fais un morceau qui est bon, il y a un discours, il y a quelque chose, tu as fait un travail autour de ce morceau-là. faut en communiquer il faut le parler. Bien, bien sûr. sûr. Si demain, tu fais ton album, mais bien sûr que tu es invité on va parler d'album, mon frère. Si tu, si tu regardes là, il euh, y a visé plus haut qui est là. Je vais trouver sa tranche <laughs> là. Il est là, tu enfin, vois. es bien fourni quand même. Il hein. y a et tous les albums bien. du Sayan. Donc euh, nous on aime la musique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais de la bonne musique et qu'il parle, tu es le bienvenu. Bah, merci à toi, Grace. C'est moi qui te remercie. Et euh, bah, franchement, je te cache pas, je voulais venir avec une enceinte faire écouter les sons et tout. Ouais. J'aime bien le partage, mais <laughs> après j'ai renoncé. Je me suis dit non, ça va être compliqué techniquement et tout. Mais la prochaine fois, je la. On en fait. ça. Ah, je ramène une petite jibelle et comme on en... ça et puis, on s'organise. exclut. Avec plaisir. Vas-y. C'est dit devant la caméra alors bah, Je l'ai dit. <laughs> J'ai hésité à le faire. <laughs> ok. En tout cas, merci à toi et puis on se voit très bientôt pour et la suite des projets. Merci à vous.